Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Merci Seigneur. La bonne parole, bon Dieu, dans Psaume 78, verset 23, qui dit, li parle ak nuajyo ki an roun nan siel la, li ba yo lod pou yo louvri pou siel la. Adorable Père Saint, amen. Nous glorifions, nous magnifions, nous disons merci Seigneur pour parole. Et nous m'avons d'autant pris béni parole ça, afin que chaque petit qui l'a va joindre une parole. Parole qui pour édifier, parole qui pour convaincre, parole qui pour instruire, parole qui pour libérer et non va glorifier. C'est comme ça que nous prions, Père, au nom puissant de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Li bay lod, li bay yo lod pou yo louvri pou siel la. Se parol sa, mè bien aimé, ke nou jwen nan Somme 78, le verset 23, ke le Seigneur pote pou nou nan mwa d'ouverture. Kote, nou ap pale depi komansman aneya, de pote. Piske nou wè ouverture, e depi gen ouverture, gen pote. Et nous te dit que porte la mes bien-aimés, eh bien, li symbolise une opportunité. Donc, c'est une entrée-sortie. Depuis nous, porte des possibilités pour entrer, des possibilités pour sortir. Et depuis nous, que il y a parlé de porte l'ouvrir, eh bien, ça veut dire que nous entrer dans une autre temps, nous entrer dans une autre dimension, nous entrer dans une autre saison. Alléluia. Et ça fait ou pral wè la parole de Dieu, li pral fè nou konnen mes bien-aimés. Dans Acte 7, le verset 56, li pral dit non, et il dit voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vois les cieux ouverts. Merci Seigneur. Le Seigneur montre nous un changement, mes bien-aimés. Le Seigneur montre nous, nous entrer dans une nouvelle dimension, dans un changement de saison. Nous, ouais, ciel là, l'ouvrit pour vous. Nous, ouais, alléluia. Stagnation à l'irrité, sécheresse d'arrêter, et la pluie, ou pral, ouais, si le ciel là, l'ouvrit pour vous, l'ouvrit, mes bien-aimés, pour que bénédiction, bon Dieu, tombe sous en abondance. Dans l'histoire d'Israël, la pluie, le gué la pluie était toujours annoncée non seulement que ciel l'a été l'ouvri, mais en même temps tout que saison hein, l'y changé. Alléluia. Les cieux ouverts, n'est pas juste un thème, mes bien-aimés. Il ouvre les cieux. Lorsque nous ouvre les cieux, ouverture des portes des cieux, n'est pas seulement un thème, mais c'est une expérience, c'est une communion, c'est une intimité. Et Seigneur a lui parlé. Alléluia. Le Seigneur parlait. Et ça fait, mes bien-aimés, il y a une dimension. Là, nous parlons d'une nouvelle dimension. Donc, deux dimensions. Là, on parlait de ciel, l'aile ouvrit pour ciel là pour son dimension. Et c'est ça que fait, mes bien-aimés. La parole de Dieu, les vins dit nous, l'aile ouvrit pour ciel là pour vous. L'aile ouvrit pour ciel là. Mais qui te me dit, lorsque pour ciel là l'ouvrit, eh bien, ciel là, bon Dieu, bon bagaille que l'aile. Voyez pour vous. L'ouvrir porte ciel là pour vous, mon Dieu, bon bagaille, il voulait, voyez pour vous. Donc, ça veut dire que le ciel veut relâcher quelque chose sur terre. Le ciel veut relâcher quelque chose sur terre. Ça veut dire que, mais de façon, mes bien-aimés, de façon pour que ça fête. Et ça fait de trois façons spécifiques que nous identifier. Écoutez, mes bien-aimés, ciel là à terre, lieu interconnecté. Tout d'abord, nous jouons une porte, nous concentrons sur la porte là. Les portes, ils ouvrent les cieux, nous concentrons sur la porte là, quand on a commencé à parler avant de la porte là déjà. Et ça fait, il dit nous, dans la parole que nous gagnons là, dans Somme ça, Somme 78, verset 23, il dit nous, il commanda au nuage d'en haut, et il ouvrit les portes des cieux. Il ouvrit les portes des cieux. Et si nous faisons un petit coup d'œil dans Apocalypse, chapitre 4, le verset 1er, la parole de Dieu dit, après cela, je regardais et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. Donc, le ciel l'ouvrit, mes bien-aimés. Mais,
Le ciel l'a l'ouvri, il ouvre sous forme de porte. Le ciel l'a l'ouvri, il ouvre sous forme de porte. Donc, c'est-à-dire que une porte ouverte, mes bien-aimés, est très souvent le signe de ciel ouvert. C'est ciel-là qui l'ouvrit, mais il ouvre sous forme de porte. Ça veut dire que il a fermé tout. Les portes, les symboliser opportunité. Les symboliser, mes bien-aimés, opportunité. Il y a une nouvelle. D'une opportunité, d'une nouvelle saison, d'une nouvelle dimension que vous apportez la donne. Exactement. Il y a un signe que vous êtes capable de discerner au ciel qui l'ouvre, eh bien, c'est opportunité qui peut l'ouvrir. C'est opportunité qui peut venir à vous-même. C'est opportunité qui peut paraître sous vous. C'est opportunité qu'on peut l'ouvrir. C'est une nouvelle dimension. Vous pouvez l'ouvrir changement. Donc, opportunité, c'est qui ça? Une opportunité, son circonstance, ou bien son occasion favorable, son bagage qu'on pas attendre à lui-même, et puis qui paraît, il est capable de paraître dans plusieurs aspects dans la vie, ou il est capable de paraître sous plusieurs formes. Une occasion de rencontre, il est capable de nouvel monde, de nouvelles rencontres, de nouvelles personnes, de nouvelles connaissances, il est capable de promotion dans le travail. Donc c'est, ça veut dire que vous pouvez accéder ou que doit, c'est au déplacement qui doit faire, ou que doit c'est, ou si c'est dans affaire qu'il y a son nouveau contrat qui pourrait venir. Donc c'est comme ça, il est capable de paraître. C'est opportunité. Mais le ciel, ciel là capable de fermer tout. Le ciel fermé, il marqué, le ciel a fermé sur nous, nous condamnons mon abdissa, eh bien, il marqué par qui ça? Par l'impossibilité pour joindre le ciel a fermé sur nous, eh bien, tout bagage paraît impossible pour vous. Mais le louis, le louis sous opportunité, il baille de nouvelles possibilités. La parole de Dieu, l'apôtre Paul, va parler dans 2 Corinthiens, chapitre 2, le verset 12. Il peut le faire qu'on est. Il dit, au reste, lorsque je fus arrivé à Troas pour l'évangile de Christ, crois que le Seigneur m'eut ouvert une porte. Ouais. Crois que le Seigneur m'eut ouvert une porte. Donc, porte là, mes bien-aimés, après opportunité, Libanotou, lui introduit nous dans une nouvelle dimension. Car chaque nouvelle opportunité, chaque nouvelle occasion, chaque nouvelle dimension, chaque nouvelle occasion, eh bien, lui cache une nouvelle dimension. Chaque nouvelle opportunité qui s'ouvre devant, qui paraît devant, eh bien, lui cache une nouvelle dimension. Son nouvelle étape, son nouvelle dimension. Dans une caille, il y a plusieurs pièces. Alléluia. Lorsque vous regardez une caille, il y a plusieurs pièces. Et chaque pièce, mes bien-aimés, eh bien, lui pour bagay, précis. Chamna, nous connaît qui ça nous fait dans la chambre. Chamna, c'est pas ça la manger lié. Salon, pas ça la manger. Et chamna, bon attitude pour gagner dans la chambre, bon attitude pour gagner dans le salon, dans le living room, bon attitude pour gagner dans la kitchen. Nan. Ou pas gagner même attitude, ou pas gagner même comportement dans chaque pièce. Ça veut dire que chaque pièce, mes bien-aimés, est destinée à une activité précise. Et lui demande tout une attitude précise. Mais chaque pièce qui est dans la caille là, il y a chaque séparé. Il y a séparé par qui ça? Il y a séparé par des portes. Chaque pièce, il y a une porte. Pour m'aller dans une pièce à l'autre, eh bien, il faut que moi passe par une porte. La paix, bon Dieu, avec vous. Ailleurs, même pour entrer en la caille là, je ne peux pas escalader, eh bien, il faut passer par une porte. Porte. Donc, en vérité, mes bien-aimés, qui t'aime toujours dire, chaque porte qu'on franchit, lui introduit dans un nouvel environnement. Est-ce que le peuple bon Dieu attendait samedi à là? Amen, amen. Chaque porte que vous franchissez, lui mène, lui introduit dans un nouvel environnement, lui introduit dans un nouvel univers, lui introduit dans une nouvelle dimension, lui introduit dans une nouvelle position, lui introduit dans un nouveau statut. Nous entraînons année tout neuf, alléluia. Son année, côté le Seigneur dit nous, son année de clarté divine, son année pour nous éclairer. Mais pour nous éclairer, faut-il bien que nous engagions nos voies, ces voies claires là, ces voies côté yeux fixés sous mon Dieu là, côté nous entrer dans une nouvelle dimension. Alléluia. Porte là, mes bien-aimés. Leur entrée dans la dimension, ça, les mandeurs ont des clés. Les mandeurs ou pas qu'à entrer à n'importe qui, gens. Les portes fonctionnent avec des clés.
Les portes ciel là l'ouvrir pour vous, alléluia. Chaque porte, mes bien-aimés, vous possédez une clé. Et pour m'ouvrir porte là, faut que tu une clé là. Pour avoir accès à lui-même, faut une clé là. Ou bien pour m'ouvrir, ou bien pour me fermer. Donc, pour m'ouvrir sous moi, et pour me fermer pour sécurité, faut que tu une clé là. Et bien, c'est même Jean, mes bien-aimés. Porte ciel là, lorsque le Seigneur dit, la parole de Dieu dit, il ouvre les portes des cieux, eh bien, la porte du ciel possède une clé. Soit pour activer, et bien soit pour sécuriser. C'est la raison pour laquelle, mes bien-aimés, les capables d'arriver deux bagailles dans la vie. Premièrement, on capable de forcer, on capable de venir en face à l'opportunité. Et on arrive dans la dimension où on doit posséder, on doit rentrer en possession de lui, faut qu'on saisisse lui en face, il faut mettre main sur lui, ou bien on est capable pour saisir et pour conserver deux bagailles. Et ça fait l'idée dans Matthieu 16, verset 19, il dit nous ça, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Papa, bon Dieu avec vous. Amen. Alléluia. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Si on dit à son pas de clé, ou pas capable d'ouvrir, ou pas capable d'avoir accès à lui-même. Parce que les portes qui t'aiment d'aujourd'hui ont des problèmes. Les portes attirent l'adversité. Ils sont combats pour mener pour entrer là, en possession de lui-même. Donc chaque fois qu'on va entrer dans une porte, il y a deux bagages qui sont capables d'arriver, mes bien-aimés, pour nous finir. D'abord, faut qu'on quitte au sein de bagaille, faut qu'on détache au dehors. C'est qui ça? Adversité à qui ça crivé. Les vini, les origini, les vini na famille, na zami, na ki moun na relation. Ensuite, on va joindre qui ça? On va entrer. Déjà, on peut entrer dans la pièce là. Pièce là, eh bien, c'est l'adversité qui peut venir de propre hiérarchie qui existait. Par exemple, on a l'église là, on doit jouer un blocage au niveau pasteur, au niveau mentor, au niveau frère, au niveau leader, capable de jouer un problème. Et ça qu'il faut pas louer, Saül, il était dérangé pour le tuer. David a monté. On va jouer un blocage, ça. Le roi, pour que nos nouvelles dimensions, attendons à blocage. Attendons à difficulté. Attendons à monde que ça va déranger. Qui n'est pas d'accord que vous prenez dimension. Qui n'est pas d'accord que vous montez. Qui n'est pas d'accord que vous progressez. Qui n'est pas d'accord pour avancer. Qui n'est pas d'accord pour transformer. Qui n'est pas d'accord pour changer de niveau. Alléluia. On va jouer un blocage. Mais qui te dit, c'est pas où cap prend dimension, c'est pas où cap déplacer, c'est pas où cap avancer, mais c'est mon Dieu cap fait. Il y a que pour la attirer adversité, la attirer blocage, mais faut parer parce que bon Dieu a traversé avant. Et ça fait il dit dans 1 Corinthiens chapitre 16 verset 9, il dit car une porte grande est d'un accès efficace mais ouverte et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Matin qui t'aime dire porte que bon Dieu a ouvert pour vous. Personne n'a qu'à faire même. Quelle que soit position, quel que soit grade, quel que soit hauteur, quel que soit niveau, porte mon Dieu l'ouvre pour vous, personne n'a qu'à faire même. Et je dis, notez, avec parole ça, porte que mon Dieu l'ouvre, personne n'a qu'à faire même. Car on entre dans une nouvelle dimension, on entre dans une nouvelle saison, on entre dans une nouvelle année, et c'est année pas où, pour être clé dans la marche chrétienne, c'est année pour marcher. Dans la clarté face mon Dieu, côté où entrer plus fort dans mon Dieu, parce que porte la louvre pour atteindre une nouvelle dimension. Une porte grande et d'un accès efficace, les ouvrir pour vous, les adversaires sont nombreux. Ou pas besoin de peur, car avec Dieu, on fait exploit. Avec Dieu, on transformer. Avec Dieu, on prend niveau. Avec Dieu, on prend dimension. Avec Dieu, on prend, alléluia, on prend grade. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que bon Dieu protège et que bon Dieu passe avec.